When I would do good, evil is always present with me. Oh, wretched man that I am, who will free me from this body of death? Thanks be to God through Christ Jesus. I'm ready for the fight of my life. Start the record. Tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213-493-0167, 213-493-0167. Bonne journée. Salut à vous tous, un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur les ondes de la radio Respiration FM. C'est ma journée, tard pendant la journée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il est 11h32 minutes sur les ondes de la radio Respiration. Eh bien, nous sommes le mardi 10 juin 2014. Voici la parole de Dieu pour aujourd'hui. Voici la parole de Dieu pour aujourd'hui, Matthieu 18, le verset 20e. Là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous êtes branché sur les ondes de la radio Respiration FM. N'hésitez pas à nous écrire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous commençons avec cette jolie chanson de Toby Mac. Que sert-il à un homme de gagner cette planète bleue s'il perdrait son âme? C'est la chanson maintenant sur nos ondes. Une jolie chanson avec Kirk Franklin. Man, I'm not gonna let these material things get in my way, y'all. I'm trying to get somewhere. I'm trying to get somewhere that's real and pure and true and eternal. Toby, can you go with your boy? Let's go! Father God, I am clay in your hands. Help me to stay that way through all life's demands. Cause they chip and they nag and they pull at me. And every little thing I make up my mind to be. Like I'ma be a daddy who's in the mix. And I'ma be a husband who stays legit. And I pray that I'm an artist who rises above. The road that is wide and filled with self-love. Everything that I see draws me. Though it's only in you that I can truly see that it's a feast for the eyes, a low blow to purpose. And I'm a little kid at a three-ring circus. I don't wanna gain the whole world and lose my soul. Flashes, and they think that it's you, but they don't know that who you are is not what you do. True, we get it twisted when we peek at the charts. Yo, before we part from the start, where's your heart? You a pimp? Hustler, tell me what's your title? America has no more stars, now we call them idols. You said idol, while we teach prosperity. The first thing to prosper should be inside me. Not because of 22s on the range, but Christ came in range. We said yes, now we change. Not the same, even though I met a fall. Since I got that call, no more Saul, now I'm Paul. Yep. I don't want to gain the
relying on you. All eyes are on you, Lord. All eyes are on you. All eyes on you, Jesus. Notre pain quotidien. Sujet pour aujourd'hui, couronne d'honneur. Le verset basique pour cette réflexion se trouve dans Jean 19, le verset 1 jusqu'au verset 8e. Les joyaux de la couronne du Royaume-Uni sont gardés sous très haute surveillance jour et nuit, en sécurité et bien protégés, dans la tour de Londres. Chaque année, des milliers de gens vont voir ces trésors de beauté pour s'exclamer d'admiration devant eux. Ils symbolisent la puissance du royaume, ainsi que le prestige et le rang élevé de ceux qui les portent. Une partie des joyaux de la couronne se compose de couronnes en tant que telles. Elles sont de trois genres différents. La couronne du couronnement qu'une personne porte lorsqu'elle se fait sacrer monarque. La couronne d'apparat ou diadème que l'on porte lors de diverses fonctions. Et le diadème d'apparat que porte l'épouse d'un roi sur le trône. Différentes couronnes servent à différentes fins. Oui, différentes couronnes servent à différentes fins. Le roi des cieux, qui méritait la plus merveilleuse des couronnes et les plus grands honneurs, a porté une toute autre couronne. Au cours des heures d'humiliation et de souffrance que Christ a vécues avant d'être crucifié, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ce jour-là, on a fait de la couronne qui symbolise normalement la royauté et les hommages un objet de moquerie et de haine. Cependant, notre Sauveur a volontiers porté cette couronne pour nous, prenant ainsi sur lui nos péchés et notre honte. Celui qui méritait la meilleure de toutes les couronnes a porté la pire de toutes pour nous. Une pensée pour aujourd'hui: sans la croix, il ne saurait y avoir de couronne. Sans la croix, il ne saurait y avoir de couronne. C'était notre pain quotidien. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration.
la radio Respiration formule ses vœux de condoléances à la famille du maestro Gary Docteur. Et d'ailleurs, on va l'entendre au travers de vos voix ce soir, bien fort.